montagnes sont sympas. Hein. Ouais. La montagne, c'est sympa. Tu vois, c'est étonnant quand même ce bâtiment qu'on peut faire ce côté. On est au palais idéal du facteur Cheval. Ça, c'est un facteur qui s'appelle Cheval qui a mis 33 ans pour construire ce petit palais dans son jardin. Lui-même. Ouais, un seul homme qui a fait tout ça. C'est assez impressionnant. Au palais royal.
joue avec les enfants sur les ruines. Ils ont des yeux. On les voit bien là-bas. Ah, t'as des autruches là-bas. Allô? Tu fais la roue? Pour les adultes, ça va être la même chose. C'est juste une découverte. Non. Ah. C'est ce qui est fait à table, tu vois. Ouh là là. Je suis en train de faire, mais j'ai pas fini. Ça s'appelle découverte, je sais que c'est illustrateur. Elle est habituée à ce que ce soit des vidéos et pas des photos. Parce que moi, j'aurais dit que ça serait des photos, ça. Non, Seb. Trois ans, Seb. Pourquoi ce bâtiment? Was on the move. It changes. Okay, if you move around. On est à l'envers.
Oh, un enfant parmi les autres. You're like all around me, but you're not. Alors, on est sur un pont à Paris, c'est pas le pont des Arts, mais c'est un autre pont où tout le monde met leur cadenas. Je suis avec mon amoureuse Grace Lynn. Et là, on vient de mettre, tiens, on regarde bien comme ça, on va essayer de voir si on arrive à repérer. Donc c'est un pont, et là, juste là, il y a dans les escaliers, la rampe qui s'arrête. Et puis tout droit, boum. Et nous on l'a mis pas là où tout le monde l'a mis, mais plutôt en dessous. Et on a ça ici. Grace Lynn plus Arnaud Joachim, World Tour 2012-2013. Et voilà. Oh, on a les clés. On va lancer. Tiens. À deux. On va lancer ça. Puis comme ça c'est à tout jamais. On est ensemble à tout jamais. 1, 2, 3, go! Ah. Et voilà. On vient de faire un petit peu de pollution. On a jeté les clés. Et plus moyen d'ouvrir le cadenas. Dans la scène. Notre amour est éternel, à jamais. Ouais. Ça c'est un des deux ponts, là on a un autre cadenas, puis on va aller le placer au pont des Arts qui est dans ce sens là près de Notre-Dame. Et là on voit qu'il y a d'autres cadenas et il y a un mec qui vend des cadenas, mais on l'a pas acheté chez lui. Voilà. Bon ben on a une bonne vingtaine de minutes de marche là avant d'arriver au pont des Arts. C'est notre dernière journée soirée à Paris pour notre World Tour 2012-2013. Il n'y a pas longtemps, on était en Asie et avant ça, on était en Australie. On a fait le tour du monde, tous les deux, Grace et moi. Et j'ai fait ma proposition de mariage au Vietnam, le jour de la Saint-Valentin. Puis elle a pas dit non. C'est-à-dire qu'elle a dit oui. Bon. Dans 6 jours, on est à Montréal. On est retour à la maison. Bon, on continue la vidéo à côté là. Bon, là on est sur le pont des Arts et on le sait parce qu'il y a ce magnifique bâtiment devant et il y a une tonne de cadenas qui sont déjà là. Il y en a partout, 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 partout. Ça c'est le Louvre de l'autre côté. Et il y a vraiment des cadenas partout, partout qui sont à mon avis retirés une fois de temps en temps, mais on va quand même le mettre et on va croiser les doigts qui restent. Mais c'est... ouais, donc on en a un deuxième. Et World Tour, il y a Grace qui va le placer. Comme ça, au moins, on va espérer qu'il est plus en cachette. Ici, c'est un cadenas sans clé, c'est un code, et le code, c'est 000. Ah, il faut pas le dire, hein. Ouais, il faudra pas venir le retirer. Là. En forme de cœur, on peut pas le rater. Là. On est là. Et là, pour se retrouver, il y a un lampadaire. Je sais pas mal celui qui est central, devant la presqu'île, là. Si on regarde le bâtiment, il y a un, deux, et c'est le troisième lampadaire. Et de l'autre côté, il y en a un, deux, trois, quatre, c'est le cinquième lampadaire. Et on est du côté droit du lampadaire, en bas. Et on peut pas rater notre petit cœur. Ça serait intéressant de revenir dans quelques années, voir si notre cadenas est toujours là. Là, on a deux cadenas sur deux ponts différents. Ça va être assez en sécurité. Je pense. Il y en a un des deux qui va rester.